Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, vous découvrirez une méthode efficace pour profiter de votre meilleur jeu Epic 7 sur grand écran, y compris sur ordinateur portable. Comme vous le savez, il s'agit d'un jeu sous système d'exploitation Android, et nous allons comprendre comment le faire fonctionner sur un ordinateur. Concentrez-vous sur l'écran et regardez la vidéo en profondeur. Sans plus attendre, laissez-moi prendre le départ. Une URL a été affichée dans la description de la vidéo ou peut-être dans le premier commentaire épinglé. Voici le lien du site web, je le montre ici au cas où vous voudriez le voir un peu plus grand. Voici l'URL de ce jeu dans BlueStacks. Installez Epic 7 sur votre ordinateur en utilisant BlueStacks. Il s'agit d'un émulateur Android, qui émule les tablettes ainsi que les téléphones mobiles Android, de sorte que nous pouvons utiliser une souris et un clavier, utiliser un grand écran, etc. Allez sur le bouton « Télécharger Epic 7 pour PC » pour télécharger ce jeu. Il sera mis en téléchargement, voire. Il suffit d'appuyer sur ce fichier spécifique maintenant. Dans Windows 10, il nous aura demandé la permission. Nous répondons oui et nous acceptons. Réduisez le navigateur afin de pouvoir accéder aux options d'installation. Je vais juste choisir le répertoire pour l'installation de Epic 7. Si vous souhaitez modifier le répertoire, il vous suffit d'appuyer sur « Personnaliser l'installation ». Pour l'instant, nous ne sommes pas très intéressés par la modification du répertoire. Mais nous allons cliquer sur le bouton « Installer maintenant ». Il suffira de quelques mots de l'espace mémoire de votre ordinateur pour télécharger ce fichier particulier. Pour ceux qui disposent d'une connexion Internet rapide, le fichier sera alors téléchargé très rapidement. L'émulateur sera alors installé sur le PC. L'installation de l'émulateur est maintenant terminée, et nous allons continuer. La patience n'est nécessaire que pour la première fois, car le système va effectuer plusieurs réglages de configuration essentiels pour les BlueStacks. Gardez les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur, car nous allons maintenant décrire une étape essentielle. C'est une option de Google Play, se connecter, vous devez cliquer ici. Pour vous connecter à Google Play, vous devrez saisir votre adresse électronique et votre mot de passe. N'oubliez pas que l'installation du jeu ne se fera pas sans cette étape particulière. Nous allons également nous connecter maintenant. Attendez, nous nous connecterons au compte Google et nous vous verrons après cette étape. Nous en avons enfin terminé avec cette partie. Vous êtes censé accepter les conditions d'utilisation et, à cette fin, cliquez sur « J'accepte ». Nous n'avons pas besoin de créer le système de sauvegarde, par conséquent, nous choisirons « Non ». Quoi qu'il en soit, nous avons finalement atteint notre compte Google Play. Chaque fois que vous souhaitez revenir au bureau, appuyez sur cette flèche spécifique. Avant de poursuivre, regardez les deux icônes qu'elle a créées ici, BlueStacks et aussi BlueStacks Multi-Instance. La première option consiste à lancer l'application BlueStacks. Maintenant, installons finalement le jeu sur PC. Regardez, je vais cliquer sur Google Play pour installer ce jeu particulier. Maintenant, vous pouvez observer, mon ordinateur est en train de télécharger Epic 7. Une connexion Internet plus rapide est recommandée pour terminer le téléchargement du jeu immédiatement. Comme le téléchargement prendra un certain temps, je vais manquer cette étape du tutoriel vidéo. Maintenant, nous n'avons pas besoin de démarrer les BlueStacks à répétition, mais nous pouvons accéder directement à Epic 7 en cliquant sur son icône de bureau. Lancer Epic 7 sur l'ordinateur est désormais extrêmement facile, cliquez deux fois sur cette icône, et voilà. Un double clic sur l'icône du jeu depuis le bureau est une façon de lancer le jeu. Et une autre technique consiste à la lancer en utilisant des BlueStacks. Cliquez ici pour lancer Epic 7 et amusez-vous bien. Vous pouvez même modifier les options du clavier à partir d'ici. Comme nous ne sommes pas désireux de personnaliser les options du clavier, nous les conserverons telles quelles. Si vous souhaitez profiter de Epic 7 en mode grand écran, nous vous proposerons deux solutions simples. En cliquant ici sur la barre de « Maximisation », l'écran sera amélioré. Il ne s'agira pas d'un écran complet à 100%. Comme nous préférons le plein écran à 100%, nous devrons appuyer sur F11 pour entrer en mode plein écran, puis appuyer à nouveau sur F11 si vous voulez quitter le plein écran. Une fois que vous aurez commencé à jouer en mode plein écran, vous pourrez mieux vous concentrer sur le jeu. Il est évident que jouer à un jeu dans un émulateur nécessite beaucoup de puissance, par conséquent, les performances dépendront de la puissance de votre système. Voyons maintenant rapidement comment changer la langue du jeu, nous allons passer aux préférences ici. Dans le menu déroulant, sélectionnez la langue du jeu que vous recherchez.
Et voilà, c'est changé. Votre jeu favori a enfin été installé. Tout est prêt pour jouer. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire, nous serons heureux de vous répondre. Merci beaucoup, les amis, pour votre temps. J'espère que cette vidéo vous sera utile à tous. Au revoir.